Les ministres en charge de la qualité dans l'espace CEDEAO avaient pour préoccupation essentielle à Abidjan une meilleure gestion des défis restants encore à relever en matière de qualité. Ces défis, qui existent en dépit de toutes les initiatives prises au niveau régional et local, sont notamment la mise en place d'une véritable culture de la qualité, l'harmonisation d'un plus grand nombre de normes en vue de la baisse des barrières techniques aux échanges communautaires, le renforcement de l'infrastructure qualité. Sur la table des ministres pour examen et validation, les trois premières normes communautaires de la CEDEAO, le schéma de l'infrastructure qualité de la CEDEAO et les tests du prix CEDEAO de la qualité. La rencontre de ce jour m'offre l'occasion de rappeler que la vision globale de la politique qualité CEDEAO est de maintenir une structure industrielle solide, compétitive au niveau mondial, respectueuse de l'environnement et capable d'améliorer sensiblement. Les conditions de vie des populations de notre espace régional ont donc été validées à cet effet à Abidjan par les ministres en charge de la qualité dans l'espace CEDEAO, les premières normes à harmoniser l'infrastructure qualité de la CEDEAO et les tests du prix qualité de la CEDEAO. La rencontre d'Abidjan a également mieux précisé l'approche ouest-africaine en matière d'accréditation.